Golf Mag vous est présenté par La Forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission est enregistrée sur les sites du club de golf Lévis. Salut Daniel. Bonjour Serge. Ça va bien? Oui. Bienvenue au club de golf Lévis. C'est très gentil. Je suis très heureux d'être là. Content de te voir. Content de t'accueillir. Oui, c'est gentil. Puis, je te souhaite une belle journée, un beau tournage. Puis avec la température, tu vas adorer ça. On peut pas demander mieux. Bonne journée à toi aussi. Au plaisir. Merci. Alors, comme vous l'avez constaté, cette semaine, Golf Mag est dans la région de la Vieille-Capitale, plus particulièrement sur la rive sud de Québec. On est au club de golf Lévis. Et si on remonte un petit peu dans le temps, on réalise que c'est un parcours qui a énormément d'histoire. Déjà, dans les années 1950-1960, journalistes et historiens écrivaient déjà que dans la région, 100 ans plus tôt, soit autour de 1860, c'est ici, en Amérique du Nord, qu'on aurait effectué les premiers élans de golf. Imaginez! Alors sur ce, on vous souhaite une bonne émission. 30 minutes de bonheur à venir à Golf Mag. Le club de golf Lévis est qualifié de golf urbain. La proximité de la ville de Québec est un atout pour l'amateur de golf. Véritable poumon vert au cœur du centre-ville de Lévis, le club offre des trous tous uniques en soi. Pendant longtemps, le club de golf Lévis a été un parcours privé. Mais depuis environ une décennie, on a décidé d'ouvrir la porte aux golfeurs publics, et ce, 7 jours sur 7, ce qui fait de l'endroit maintenant un parcours semi-privé. Mais une chose qui n'a pas changé ici, c'est la qualité générale du parcours. C'est vrai qu'il y a certaines allées qui sont plus étroites. Que voulez-vous, le parcours a pris en maturité, comme par exemple ici au trou numéro 1. C'est assez intimidant, mais de façon générale, les verts sont de top qualité, ce qui fait l'envie des parcours environnants. Ici, pas de monotonie. Adapté pour tout golfeur et offrant maintenant 7 jalons de départ, l'on recommande ici de jouer selon sa distance de frappe et non son handicap. Le club de golf Lévis, c'est aussi des arbres matures, centenaires, des aménagements paysagers tout en fleurs, des lacs et leurs fontaines, et surtout des allées verdoyantes et des verts de qualité qui font la fierté du surintendant Yann Joly. Et Yann, encore une fois, cette année, je pense que ton équipe et toi avez fait du travail colossal parce que le parcours, semble-t-il, est parfait. Bien, sincèrement, on a eu une année, on va toucher du bois, là, facile jusqu'à présent. Vraiment intéressant de sortir au printemps. Les conditions sur le terrain étaient parfaites. Les verts, c'est notre réputation. Puis sincèrement, pour un surintendant, c'est là que ça se joue aussi. Ah oui. C'est jamais qu'on se parlait, noté fairway sont vraiment les plus beaux. Là. Non, c'est les verts. C'est là que ça se joue. T'sais, au printemps, si les verts sont en mauvaise condition, mais que tout le reste est parfait, le terrain est considéré comme pas beau. Où prenez-vous vos formations? À quel endroit vous vous renseignez pour faire en sorte que dans nos conditions québécoises, on arrive à avoir des parcours de cette qualité-là? Bien, comme moi, je suis agronome. J'ai un bac en agronomie depuis 2004. Il y a des cours qui se donnent à l'ITA Saint-Hyacinthe. Malheureusement, depuis quelques années, il n'y a pas assez d'inscriptions. Ça peut être, mettons, l'Université du Massachusetts, Rutgers University, ça peut être à Penn State. Mais sinon, la grosse déformation, c'est au niveau des conférences. Okay. À chaque année, il y a des congrès de surintendants qui sont donnés. Et après ça, c'est la responsabilité du surintendant d'aller s'informer, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Est-ce que tu vas collaborer avec un surintendant d'un autre parcours de golf qui peut être similaire à ici au parcours de golf de Lévis pour dire hey, c'est quoi ton truc? Est-ce qu'il y a de l'échange comme ça? Beaucoup. Dans le contexte actuel du golf, le but, c'est plus de la compétition comme telle. Ce qu'on veut, c'est aller chercher les golfeurs. C'est de faire grossir le sport. C'est ça. Si on veut, puis peut-être qu'il y a un contexte régional à ça. Moi, je sais que je suis très ami avec la plupart des surintendants de la région de Québec. C'est combien d'heures par semaine un surintendant? Quelle heure tu arrives au parcours? Moi, je commence tout le temps vers 5 heures le matin, puis ça va finir vers 3h30, 4h. Okay. Le matin, moi, j'aime beaucoup ça sur les bails. Tu sais, aller me promener, les marchés, voir ce qui se passe. Est-ce que tu as des nouvelles tâches? Sont-tu beaux? Les potés, tu sais, voir. OK, là, on est game shape. Tu sais, dans le fond, ça va bien, ça roule bien. Ça, c'est vraiment plaisant. Puis en cours de journée, mais là, c'est tout le à côté. Là, on sait que les greens vont bien. Là, on va aller voir les départs, on va aller voir les fairways. Puis, tu sais, moi, ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est quand mes employés sont partis, exemple, à 2h d'après-midi, là, je refais tout le temps de tourner de terrain. Okay. Tu sais, en carte, tranquillement, jaser avec les membres, prendre le pouls des membres, ça, c'est super intéressant. Parce qu'à un moment donné, hey, Yann, t'as-tu vu telle chose à telle place? T'sais, puis là, ça me permet d'aller voir. Tu sais, c'est pas nécessairement un travail très, très physique, mais c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'observations. Ouais. Merci. C'est très intéressant de découvrir ton travail. Bien, merci à toi. Je te souhaite encore de nombreuses et belles années ici au club de golf de Lévis. Bien, merci. Merci, Yann. Salut, bonne journée. Restez là. Golf Mag revient après cette pause.
Voici maintenant notre trou vedette de la semaine. Le 7e trou du club de golf Lévis est une très belle normale 4, coudée à gauche. Du départ, on ne voit pas le vert. Il s'allonge jusqu'à 405 verges. C'est avec Pierre-Luc Bergeron, professionnel ici au club de golf de Lévis, avec qui on va jouer le trou de la semaine cette semaine à Golf Mag. Et Pierre-Luc, j'aimerais qu'on parle de ce trou numéro 7, mais je veux savoir si le 7e représente un peu l'ensemble du parcours ici à Lévis, parce que ça se joue quoi? 400-405 verges? Oui, exactement, 405 verges des jalons arrière. C'est quoi le défi ici qui nous attend? Bien, la première chose qu'on remarque, c'est le vent. Tu remarques le vent dominant d'été, qui est le vent d'ouest, donc on l'a en plein visage. Oui. C'est un trou qui est relativement court. Ce qui est particulier ici, c'est un dogleg à gauche. C'est assez rare qu'on ait à jouer un petit draw comme ça vers la gauche. Oui. On le voit, c'est très coudé, donc il va falloir bien placer son coup de départ pour avoir une vue sur le green. Donc trop serré à gauche, ça ne marche pas. Trop long, mais on peut être dans le bois. Donc il faut bien se placer dans le coin. On a chacun pris un bois 3, exact. Je pense, mais ce trou-là me donne l'impression qu'on pourrait très bien partir autant avec un bois 1 qu'un fer dans les mains. Là. Oui, tout à fait. C'est ce qui est le fun de ce trou-là. Il faut user de stratégie. Bien, j'ai adoré la description de ce trou-là. Comme tu connais si bien ce trou-là et le parcours, mon cher, je vais te laisser les honneurs. Super, merci. Puis, je veux que tu nous parles un peu de ta routine d'avant-coup. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bien, moi, ce que je vais faire, un élan ou deux de pratique, juste pour sentir beaucoup. Moi, je travaille beaucoup sur mon rythme. J'essaie d'avoir un rythme constant durant la partie, assez lent. Puis ensuite, bien, je focus vraiment sur la ligne et sur la cible. Donc, je me fixe une cible au loin. Souvent, la cible la plus loin possible, donc le dessus des arbres. Oui. Et pour le bénéfice de nos téléspectateurs, ta cible actuelle, c'est quoi? Là, ici, je vais viser un petit peu à gauche des deux boulots qu'on voit là, au centre de l'allée. Là. Un petit peu à gauche, je vais la laisser rentrer vers la gauche. Super. Ah, solide, Pierre-Luc. Belle trajectoire de balle. Good shot. Tape là-dedans. Je vais essayer de limiter ce que tu as fait là, parce que si j'avais ce résultat-là, je serais bien heureux. Alors, quelqu'un ici là, qui frappe une bonne balle, qui opte, par exemple, pour un bois numéro 1, il peut très bien se ramasser dans le bois automatiquement. Exactement. Fait qu'il faut serrer à gauche. Là. Alors, dans mon cas, ça va être un bois 3, aligné sur le boulot avec, j'espère, un petit crochet du côté gauche pour m'approcher de la cible. Parfait. Belle shot. Ouais. Ah, ben je vais prendre ça là. C'est bon ça? C'est là. On va aller voir. Good. Ah, c'est bon ça. Bien placé. Bien content non, avec ça. Ouais. Non, on a vraiment une belle vue. Ah bien, Pierre-Luc, on a une partie du travail d'accompli. Une balle dans l'allée, une autre un peu plus là-bas. Mais le deuxième coup est vraiment intéressant parce que là, on sent là, que géographiquement, c'est différent. On est en pente descendante jusqu'au vert. Oui, tout à fait. Puis un petit peu même vers la gauche. Là. Fait que la balle va avoir tendance à aller naturellement vers la gauche. Et puis le vent dominant est droite-gauche là, ici. Là. Je vais viser centre-droite du green. Oui. Je vais la laisser rentrer aussi vers la gauche. Le drapeau aujourd'hui est au fond du green, donc ça va être de bien contrôler la trajectoire de la balle. Je te laisse prendre ton bâton. Ça va ressembler à quoi, selon toi, un fer? Je vais aller autour d'un fer 7, mais j'irai pas plein élan. Parfait. Je vais essayer justement de contrôler ma balle. Je veux pas trop qu'elle lève. Là. Je vais essayer de la frapper un petit peu plus basse. Ça saute d'autant plus que tu n'as pas d'obstacle devant le verre, donc à la limite, elle peut rentrer en roulant. Là. Tout à fait. Exactement. Ah, que c'est solide. Bien joué. Merci. L'équilibre était bon là-dessus. OK, on va aller voir la mienne? Oui. Ah bon, ben c'est parfait. Oui, centre gauche de l'allée. Une autre balle dans l'allée. Bien placé. Intéressant. Le 150 est là, peut-être 15 de moins. Ça fait à peu près 135 verges. Plus 10 avec le fanion qui est à l'arrière. Oui, environ. Ça fait à peu près 145 verges.
J'ai l'impression d'être un petit peu surélevé. Est-ce que c'est un facteur ou pas ici? Bien, ici, c'est pas tant, là. Tu es peut-être un 4-5 verges plus haut, là, donc. Alors, je vais y aller, Pierre-Luc, fer 9. D'après moi, ça devrait être bon. Oui, parfait. Alors, puis ma cible, là, je dirais entre la fontaine derrière le fanion puis le petit arbre. Oui. Qui est là, je vais essayer de viser ça. Oui, je pense que c'est le centre du green. Parfait. Le vert a l'air assez réceptif et intéressant comme cible, là. Mais ça approche. L'objectif. Ah, j'aime ça. Good. Prends ça n'importe quand. All right. Restez là. Golf Mag se poursuit après cette pause en provenance du club de golf Lévis. Ah, bien, Pierre-Luc, on s'est laissé... Des bons troisième coups? Oui. Ben oui. C'est pas des birdies assurés, comme on dit? Non, mais tu vois, le tien va être assez plat. OK? Peut-être un petit peu vers la gauche. J'ai une question toute simple pour toi, là. Oui. Le centre commercial, il est situé où? Ben ici, il va être à notre gauche, ici. Donc, c'est sûr que le terrain penche vers là. C'est le point le plus bas. On a le point le plus haut vers le 14e. Fait qu'effectivement, tout va pencher vers là, là. Parfait. Bien important de réparer ces marques de balles pour que les verres conservent... leurs belles conditions comme ici à Lévis. Très bonne distance à parcourir. Effectivement, ça a l'air assez plat, assez droit. Pierre-Luc, à quoi ressemble la vitesse des verres ici? Ça va être assez rapide. Ça devrait être autour de 10 sur l'échelle Steve Meter. C'est une belle vitesse, j'aime ça. Alors. Un roulé qui m'apparaît trop compliqué. Relativement plat, relativement droit, mais aussi assez long. Vas-y, marche. Ah, beau, là. Ah, je vais prendre ça là, Pierre-Luc. Ouais, faut pas. Il manquait un peu de distance, mais je devrais être en mesure de sauver la normale. De ton côté, est-ce que tu vas opter pour un coup roulé ou tu vas y aller pour un coup d'approche? J'ai apporté les deux bâtons, mais étant donné que je suis assez près du green, je vais y aller pour un coup roulé à ce moment-là. La tête de gicleur ne te dérange pas? Non, j'ai regardé, là, je suis bien placé. Ouais. Super. Alors, fais-toi plaisir. T'es à la télé. On va mettre ça dedans. Et donc ici, ça casse juste un petit peu vers la droite. Go! Oh, belle ligne! Beau pote, Pierre-Luc! Tant qu'à moi, c'est donné, c'est concédé. Tu peux la terminer? Tu peux la finir, ben oui. Belle normale. Merci. Belle normale. Là, je vais compléter ça à mon tour. Ça va être assez droit. Voilà. Super. Hey, c'est super. Au par. Deux petits pars au 7, c'est parfait. C'est super. Merci, ouais, merci. Pierre-Luc. Merci. Puis évidemment, s'il y a des téléspectateurs qui nous regardent, qui veulent avoir des leçons avec toi ou des conseils, au centre d'ajustement, tout est possible. Tout à fait. Seulement appeler ici au club de golf. Puis on sait que le terrain de golf est ouvert à tout le monde. Donc profitez-en. Les conditions sont super. Vraiment. Puis notre équipe est prête pour accueillir tout le monde. Merci. Ouais. Bonne saison. Merci. Merci. Notre conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites du club de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. Cette semaine, je vous propose un petit conseil pour éviter les blessures. On a souvent parlé d'avoir la position des deux pieds bien droit à la droite. Par contre, ça va me limiter sur la rotation de mon élan arrière et une bonne finition en rotation sur ma jambe avant. Parce que ça met beaucoup de tension sur mon genou et ma cheville. Donc, ce que je propose, c'est d'ouvrir légèrement les pieds. Donc, avoir les pieds un petit peu en pingouin, ça me permet une plus grande rotation et ça libère un petit peu la tension que je peux avoir sur mon genou et sur ma cheville. Donc, si j'ai le pied complètement en ligne droite, ça me limite. Si j'ouvre légèrement mon pied, ça va être plus facile d'aller chercher une bonne rotation. La même chose pour la jambe gauche, la jambe avant.
Pour la finition de l'élan, ayant mon pied gauche légèrement entrouvert, ça me permet de bien compléter la rotation en ayant moins de tension dans mon genou et dans ma cheville pour une meilleure fluidité d'élan. Sur ce, je vous montre un petit exemple. Lorsque je m'installe à l'adresse, j'ouvre légèrement la position de mes pieds en pingouin. Ça va me donner plus de facilité à avoir une bonne rotation de l'élan d'un côté comme de l'autre avec moins de tension dans les genoux et dans les chevilles. Alors, je vous propose d'essayer ce petit conseil, ce qui va vous aider à éviter les blessures. Bon golf! En compagnie de Maxime Beaulieu, golfeur professionnel également associé au centre d'ajustement TaylorMade ici au Club de golf de Lévis, ce partenariat-là, Maxime, entre le Club de golf et vous, ça date de quand et comment ça s'est bâti? Ça date de 2011. On a eu une bonne idée au Club de golf Lévis avec mon associé Pierre-Luc Bergeron de reprendre la boutique. Pierre-Luc avait déjà son académie ici au Club de golf Lévis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une boutique haut de gamme pour les membres, ouais, avec plusieurs partenaires, l'académie. Et comme vous avez mentionné, au niveau du centre d'ajustement TaylorMade depuis 2013. Et on a une équipe de compétition, on est un centre national de développement pour les juniors avec Golf Québec et Golf Canada. Fait que ça bouge beaucoup avec le club ici pour la relève. Autant au niveau des premiers élans, on a des cliniques, on a des camps. On essaie, comme on parlait tout à l'heure, on essaie vraiment de transmettre notre passion de golf aux jeunes, aux nouveaux travailleurs, autant aux membres ici au Club de golf Lévis. Est-ce que les gens de l'extérieur peuvent prendre rendez-vous et avoir une séance d'ajustement? Exactement. Les gens de l'extérieur peuvent appeler ici au Club de golf de Lévis, prendre une séance d'ajustement. Nous, on a deux spécialistes attitrés à l'entreprise pour le fitting. Jusqu'à quel point vous êtes en mesure de faire des ajustements personnalisés aujourd'hui? Comment ça fonctionne? C'est qu'on utilise un radar qui s'appelle un flight scope, qui est vraiment un radar qui est capable de traquer le cadre dessus et la balle durant 100-150 verges, qui fait en sorte que avec tous les différents outils au niveau des têtes, au niveau des chaffes ou au niveau des grips, on est vraiment capable de créer le bon bâton pour la physionomie du golfeur. On s'entend que la personne qui mesure 6 et 2 versus 5 pieds 6 ou une personne qui swing très rapidement versus une personne qui est vraiment plus lent auront des tiges différentes, des grips différents. Ont des besoins différents. Ont des besoins différents, exactement. Fait qu'on bâtit vraiment le set de golf exactement pour la physionomie puis pour le swing du client. Puis c'est presque plus important pour les amateurs, je trouve. Les amateurs de golf ont besoin de cette technologie-là, ont besoin de ces ajustements pour s'assurer que la balle soit de plus en plus droite puis qu'il y ait de plus en plus de plaisir ici. Souvent, quand on fait un ajustement, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence déjà avec le sac du client. Fait qu'on regarde déjà le client, qu'est-ce qu'il a comme équipement, puis on essaie de bâtir par la suite le meilleur équipement possible. C'est le fun parce que depuis cette année, on a un partenariat plus avancé avec TaylorMade. Nous, on est un studio TaylorMade, il y en a trois au pays. Il y en a un au Manitoba, il y en a un à Saskatchewan, puis il y en a un ici au Québec. On est le seul studio au Québec qui fait en sorte qu'on a accès aux 144 tiges que TaylorMade offre pour les professionnels puis pour les amateurs avec les différentes têtes. Fait que ça fait en sorte que le client a vraiment plus d'options puis a vraiment des options haut de gamme, sans oublier les autres compagnies. Oui, on parle de TaylorMade, c'est un très bon partenaire pour nous au Club de golf de Lévis puis pour B2Golf, mais on a les Ping, on a les Callaway, on a les Cobra, on a les Titleist de ce monde. Puis l'objectif, c'est vraiment de créer le meilleur bâton ou le meilleur sac de golf pour le client, que ce soit n'importe quelle compagnie qu'on prend. Maxime Beaulieu, merci. Merci. Et puis bon succès merci, avec ce beau partenariat-là. Ça fait plaisir, merci. Lors de notre passage dans la vieille capitale, toute l'équipe a séjourné à l'hôtel Manoir Victoria. Situé au cœur de l'activité historique, culturelle et gastronomique du Vieux-Québec, l'hôtel Manoir Victoria vous réserve un accueil chaleureux et sympathique, dans un décor distinctif, maintenant 100% contemporain. L'hôtel 4 étoiles offre 156 chambres et suites, entièrement rénovées, dont l'ameublement et la literie haut de gamme assurent votre confort. Vous avez accès au petit déjeuner en formule buffet ou à la carte à la table du manoir, à une piscine intérieure et un sauna. Vous apprécierez l'atmosphère branchée et le menu inventif d'inspiration nordique de chez Boulay Bistro Boréal, dont les cuisines sont dirigées par les chefs Jean-Luc Boulay et Arnaud Marchand. Chez Boulay Bistro Boréal obtient depuis son ouverture un succès retentissant. C'est un arrêt incontournable à Québec. Spectaculaire, accessible, sympathique, voilà qui résume bien une journée passée ici au Club de golf Lévis. Et d'ailleurs, c'est une invitation, soyez à l'affût sur leur page web particulièrement. Il y a tout plein de belles promotions en vigueur et ça se poursuivra cet automne, notamment pour la relève
et les jeunes travailleurs. Voilà qui complète notre Golf Mag cette semaine. Aimez notre page Facebook, suivez-moi sur Twitter et on se revoit très bientôt pour une autre émission. À bientôt! GolfMag vous a été présenté par La Forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission a été enregistrée sur les sites du Club de golf Lévis. Notre citation de la semaine pour compléter l'émission est anonyme, mais vous allez voir, elle est particulièrement intéressante. Ça dit, « Celui qui joue au golf pour oublier ses soucis du travail reviendra vite à son travail pour oublier ses soucis du golf. » C'est tellement vrai. Hey! Coin, coin! Eh oui. Hey. Hein? Ah, c'est la même. Bon, on va les jouer.